C'est sympa, Stéphane, de venir chez toi, franchement. J'étends ton linge et tout. Tu me dis s'il y a d'autres choses à faire. Hein. Je suis prête. Hein. Je te donne des cours d'étente à linge, je suis désolée. Regarde, voilà, ça, c'est une serviette qui ne sera pas nécessaire de repasser. D'accord. Formidable. Un linge bien étendu. Bon, écoutez, après cette page de pub, hein, bonjour à tous. Bonjour. Alors, cela fait 25 ans qu'ils voyagent à travers le monde. Alors, ils prennent des notes sur le drainage, l'exposition des plantes et ils rapportent chez eux, en Angleterre, des graines pour faire pousser des plantes. Ils sont complètement dans la tradition des explorateurs, des botanistes explorateurs. Ce n'est pas à la portée de tout le monde. Il faut obtenir des autorisations pour, effectivement, collecter toutes ces plantes et nous les offrir peut-être un jour. Alors, qu'ils volent, qu'ils rampent ou qu'ils marchent, peu importe, tous les animaux sont utiles à notre jardin car ils jouent un rôle de régulateur. Le biotope, nous avons enfin compris que le monde est un ensemble, que le jardin est un ensemble qui s'équilibre de lui-même et où chacun a sa place, c'est ce que nous découvrirons dans notre sujet. Et puis, nous irons dans une célèbre école, célèbre pour les paysagistes et les jardiniers, bien sûr, c'est l'école Dubreuil. Elle nous a ouvert ses portes. Elle propose la plus grande surface pour l'enseignement paysager. Et ces surfaces ne sont pas exploitées n'importe comment. Il y a là une collection d'arbustes absolument inouïs et un arboretum où il ne faut pas manquer d'aller se promener. Notre invité aujourd'hui s'appelle Nicolas Bonenfant et c'est le cofondateur de Coloco. C'est une agence d'urbanisme, une agence de paysage qui fonctionne d'une manière assez différente des autres. C'est-à-dire qu'au lieu de balancer un projet aux institutions et puis d'y aller, il préfère le voir tester et le soumettre aux populations qui en profiteront. Il nous racontera tout cela. Mais tout de suite, nous allons chez Isabelle. Elle a acheté une maison de ville avec une petite cour en forme de triangle. Ça, mais triste, mais d'un triste, incroyable. Alors si vous aussi, vous avez une petite cour toute triste, vous ne savez pas comment l'égayer, eh bien regardez tout de suite notre pot de panique. Stéphane est dans la proche banlieue de Paris. Il slalome sur les trottoirs, chaloupe entre scooters et poubelles. Curieux de tout, il cherche partout. Mais sait-il quoi? N'importe quoi. L'inspiration? Là, ce n'est même pas une question. Isabelle l'attend. Elle a besoin de ses lumières. Hop là. Bonjour, bonjour Isabelle. Ah, vous allez bien? Oui. C'est par là le jardin? Oui, oui, c'est pas loin. D'accord. Ah! Touc, touc, touc. Oh ben c'est pas bien grand. Ah non, on peut pas dire. C'est pas vraiment un jardin, on peut pas dire... C'est une jolie petite courette par contre. Oui, un petit peu carcérale quand trouve. Même. Je trouve. C'est un petit peu à cause des hauts murs. Et oui, et oui, et oui, et oui. Donc, il n'y a pas longtemps que vous êtes ici. C'est ça, j'arrive tout juste. Ouais. Et le premier truc que m'a dit un copain, c'est de me dire, m'a dit non, c'est pas un jardin que t'as, c'est un défi. Un défi. Oui. Ouh, pression. Et qu'est-ce que vous auriez envie de voir devant vous? Je sais pas. J'ai envie de dire du vert, mais... Ben non, mais si. C'est peut-être pas très original. Du vert et des choses joyeuses, quoi, de la gaieté. Comme ambiance guinguette, quoi, des petits lampions, des choses comme lampions. Ça. Ou des pots un peu colorés. Ou, d'accord. Voilà, quelque chose où on se sente bien. Alors là, il y a un bambou. Oui, qu'on m'a laissé, que les occupants... voilà, précédents ont laissé là. Ouais, un rosier. Oui, que j'adore, moi, je suis vraiment une fan de rosier. Bah oui, mais... Il va pas être très heureux ici. Là, il est pas très heureux. Où le mettre, quoi. Des pots, des bacs. Ouais, récup aussi. Oui. Ah, récup, mais c'est des choses qu'on pourrait inviter à participer. Volontiers. Alors, du vert, de la couleur, une deuxième vie, je crois que c'est parti. Waouh, un dessin pour une deuxième vie, ça c'est un dessin. Donc, je pense qu'on va commencer par redonner un petit coup de frais à ce laurier palme et peut-être réduire encore un petit peu la ramure afin de faire entrer un peu plus de lumière dans la cour. Mm-hmm. Ensuite, on ne va pas toucher évidemment au pierriss qui va bien. Ici dans l'angle, un truc qui fleurit, qui a des feuilles tout le temps et qui se plaît à l'ombre. Mahonia X-Charity. Ça fait des petites fleurs jaunes alors. Moi, j'adore ça. Fait des fleurs jaunes, ça pique, mais c'est pas grave. Non. Parce que c'est dans le coin. Voilà. On n'ira pas. C'est ça. J'ai envie d'un deuxième pierriss, puisque celui-là se plaît bien, on va en rajouter un ici. Bon, au pied de tout ça, on va mettre des fougères. Ah, très bien les fougères. Ça sent la forêt. Contre le mur. Faut faire plusieurs tentatives. Une première tentative avec un chèvrefeuille persistant qui va pousser sur un système de câbles qu'on va installer contre le mur. Et à côté, une autre plante qui grimpe sur les murs, mais elle carrément sur le mur. Un hydrangea semani. Alors lui, il est persistant. Et encore à côté, un autre hydrangea qui grimpe, celui-là, qui s'appelle Petiolaris.
qui fait des fleurs ou Oui, il fait des fleurs. Au mois de mai, il fait des panicules comme ça de fleurs blanches. Oh là là, quel bonheur. Donc ici, on a un petit arbuste pourpre. Et là, on va passer à la caisse. Et dans cette caisse, moi, je voudrais deux bambous. Mmh. Au feuillage clair. Mmh. Je continue avec les pots. Dans ce premier pot, j'ai envie d'un érable japonica à feuillage pourpre, là encore. Sublime. Dans l'autre pot, je vais replanter le même arbuste que celui qui est dans la plate-bande. Une espèce de chose comme ça, ouais. Qui sautille. Qui sautille. Bon, ensuite, pour animer cet endroit, j'ai envie de poser des poteries en terre cuite. Je voulais quelque chose d'organique. Mmh. Et bien entendu, ces pots vont être plantés. Mmh. Et puis, pour animer le mur, on prend une canne de bambou, comme ça. Et elle va nous servir à suspendre toute une pléiade de petits seaux en tissu. Mmh. De toutes les couleurs, dans lesquelles ponctuellement tu pourras mettre des petites fleurs. Oui. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour du propriétaire. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est sublime. Je voudrais le même à la maison. Bon, bah, écoute, c'est ce qu'on va faire. Il y aura une séance d'élagage, des lianes à conduire sur de nouveaux supports, des pots comme tombés du ciel, des miroirs reflétant la multitude de tons de verre. Un petit air de guinguette et le mot de la fin. Ah ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. Alors là, Stéphane, on a enlevé les plaques alvéolées où tu avais mis du gazon. Ça n'a pas marché. Et là, maintenant, on va faire une petite allée avec des dalles de ciment. Gros chantier. Gros chantier. J'avais oublié ces dalles alvéolées qui sont enfoncés peu à peu dans le sol, au point de disparaître et de faire que pour aller à la cabane à linge, c'était quand même un c'était peu un grand barbotage. Mais alors justement, tu avais planté du gazon dans tes plaques alvéolées. Mmh. Et pourquoi il n'a pas pris ce gazon? Bah en fait, il a pris. Non, mais chaque été, il y a du gazon. Mais il n'y a même pas 6 heures de lumière sur ce sol. L'ombre de celui-ci, l'ombre de celle-là, l'ombre du bambou, l'ombre du pommier. Et bien tout de suite, dès le mois de novembre, pof, il n'y a plus d'herbe, c'est fini. Donc ça suffit. J'en ai assez d'aller tendre mon linge et de revenir avec les pieds tout crottés. Surtout avec un beau linge comme ça. J'ai du beau linge. Oui, oh bah, j'en connais du beau linge. Donc l'idée, c'est d'avoir un petit passage comme ça. C'est pas des pas japonais, c'est un petit ruban oui. De pavés. Ce sont des pavés en ciment, hein, ça coûte pas cher. Nous avons donc enlevé nos plaques, nous avons tiré les cordeaux sur une largeur équivalente aux 3 pavés, de façon à être perpendiculaire à la cabane, tu vois, pouf, donc pouf, pouf. Nous voilà arrivés là, et j'ai commencé à marquer la bordure selon laquelle il va falloir décaisser. Je pense que ça va être compliqué parce qu'il y avait du gravier en dessous. L'idée, c'est d'être à peu près au double de l'épaisseur des pavés, c'est-à-dire 14 cm en dessous de ces cordeaux qui sont à fleur de sol. Et pour quelle raison? De façon à pouvoir asseoir un lit de gravier et de sable, mais tout ça couché sur du géotextile. De cette façon-là, cela ne s'enfoncera plus dans le sol comme ça a pu le faire précédemment. D'accord, donc il faut vraiment ces 3 éléments. Hein. Parce que le gravier va drainer, il stabilise. Mmh. Le sable va permettre d'asseoir tout ça de façon très facile à régler en termes de hauteur. Mmh. Mmh. Et puis ensuite, nous poserons les pavés. Et par-dessus les pavés, nous ferons glisser du sable à la brosse entre les joints, de façon à ce qu'ils soient bien calés. Eh ben, on a du boulot, hein. C'est énorme. On a bien bossé, Stéphane. Hein. Bah écoute, moi je trouve que c'est pas vilain. Non, c'est très joli, très très joli. Donc? Alors, si on résume tout ce qu'on a fait. Donc on a décaissé, ouais, dans un premier temps. Deux fois la hauteur des pavés. Ensuite, on a mis le film géotextile. Voilà. Pour protéger. Ensuite, des graviers. Que nous avons damés, de façon à ce que ce soit à peu près équitable partout et plan. Ensuite, le sable. Le sable, oui. Et puis, on a posé les pavés et là, ça n'a pas été évident. Hein. Et surtout, avec le maillet et avec la planche, on a pu égaliser de façon à ce que tout soit plan. Et ensuite, eh bien, on a mis du sable avec le balai, on a fait rentrer le sable dans les joints. Et c'est vrai qu'il faut choisir son dallage en fonction de son utilité. C'est-à-dire ne pas prendre forcément du ciment, du béton ou de l'ardoise. Bien réfléchir pourquoi on fait cette allée.
Bon, bah super. Voilà. Tu sais que pendant que nous, on bossait, j'en connais deux qui étaient sûrement au Chili. C'est So et son mari. Figure-toi qu'on les a chopés entre deux avions. Eux, leur spécialité, c'est de voyager à travers le monde et de ramener des graines pour les planter chez eux, en Angleterre. Je vous propose tout de suite de découvrir leur portrait. Nous sommes arrivés ici en 1974. Nous avons commencé à faire de l'élevage sur ces terres que vous voyez là. Puis c'est au milieu des années 80 que ma femme Sue a rapporté des plantes dans le jardin. Moi, je ne les trouvais pas très jolies et je me suis dit que je pouvais les faire pousser mieux que ça. Alors j'ai commencé à les retailler, à faire des plantations. Et c'est comme ça que ma passion pour l'horticulture est née. Même dans nos rêves les plus fous, nous n'aurions jamais imaginé que nous serions devenus de véritables chasseurs de plantes. Tout s'est fait naturellement. Toutes ces plantes me rappellent plein de souvenirs. Celle-là vient de Corée. Cette plante-ci, je l'ai trouvée dans les montagnes, en Chine. Celle-là, sur la côte au Japon. Celle-ci vient de Taïwan. Et celle-là, du Népal. Ça, c'est un pakisandra. Je l'ai trouvé en Chine. On va aller le rempoter. C'est ma mari qui a la passion d'aller chercher les plantes. Il a un nez comme une cochonne. Il pouvait chercher des choses qu'il n'y a personne qui a trouvé avant. Nous préférons le plus possible toujours ramener des graines, bien que nous ayons une licence pour importer directement des plants. C'est toujours plus efficace de ramener des graines. À chaque fois, on prend un maximum de renseignements sur place. Je crois que nous avons cet avantage d'avoir pu observer les plantes dans leur milieu. Nous savons de quoi elles ont besoin. On prend plein de notes. L'exposition, le drainage, l'humidité. Au final, nous avons une bonne idée de comment les faire pousser. Et depuis 25 ans que nous faisons cela, nous avons visité tellement de pays, rencontré tellement de personnes, que ça a complètement bouleversé notre vie. C'est devenu essentiel pour nous, parce qu'avant, lorsque nous étions fermiers, il m'arrivait de ne parler à personne pendant des jours. Il n'y avait que moi, mon mari, Blédine et les animaux. Ça, c'est notre petit herbier. Quelques-unes des espèces que nous avons ramenées. Ça, c'est ce que j'utilise pour les faire sécher. Ah, c'est plein de poussière. Polygonatum nova. Celle-ci, on l'a découverte. Cet herbier, il retrace vraiment tout ce que nous avons fait. Et en plus, c'est un superbe outil pour identifier les espèces. Pour moi, cette plante est extraordinaire. En fait, j'ai vraiment galéré au Népal, dans la montagne, pour la voir. C'était tout près de la frontière avec le Tibet. Je me suis lancé dans une grande marche pour atteindre la frontière. Une longue journée épuisante. Et je voulais vraiment trouver cette variété rustique, si particulière, la Holboelia latifolia. Durant toutes ces années, il nous est arrivé de découvrir des plantes jusque-là inconnues par la science. Pour nous, c'est très intéressant parce que nous devons leur trouver un nom. Voilà un parfait exemple, c'est un Sarcococca. Il était jusque-là totalement inconnu. Nous l'avons découvert dans les montagnes du Vietnam. Il a été baptisé d'après mon nom, Blédine. Il s'appelle donc Sarcococca blédina. It's
C'est merveilleux de pouvoir partager toutes ces plantes avec d'autres. C'est une partie de mes souvenirs, en quelque sorte. C'est quelque chose de très gratifiant de les ramener et de réussir leur culture. Tu prépares le prochain voyage ? Je peux jeter un œil ? Je crois vraiment qu'un jour, il faudra que je rassemble toutes ces 25 années de collecte. Nous serons de retour du Japon pour fêter Noël et nous repartirons en février pour la Colombie. Je suis toujours heureuse de revenir à la maison. Ça fait 40 ans que nous vivons ici et nous n'avons aucune envie de changer. C'est ici notre chez nous. C'est là qu'est notre cœur. Alors c'est quoi cette plante, Stéphane? Oh là là, Euryostemon myriopodoïdes. Ah bah dis donc, elle n'a pas un nom simple celle-là. Eh, pas vraiment, elle a un autre nom, c'est Philotheca myriopodoïdes, parce que figure-toi qu'ils m'ont changé son nom en 1998, mais j'ai gardé le premier, je le trouvais plus sympa. Ouais, je sais pas lequel je vais retenir, mais ouais, il est pas mal. Et elle vient d'où? Elle vient d'Australie, de l'est de l'Australie. Mais alors dis-moi, Sue, qu'on a vu tout à l'heure avec son mari, ils auraient très bien pu la trouver, eux, qui voyagent à travers le monde, et la ramener en Angleterre. Bien entendu, mais quelqu'un est passé avant eux en 1824. Ah ben en effet. Ce qui fait que cette plante est effectivement arrivée de l'est de l'Australie, en Grande-Bretagne, et s'est retrouvée tout de suite dans les jardins d'hiver, parce que c'est une plante qui a des qualités formidables. Ah. Alors sans ses feuilles, froisse-les et sans-les. Mais ça sent fort. Ben oui, ça sent fort. Ça sent bon. Mais oui, ça sent bon. Et les fleurs aussi. Mais moi, je trouve que les fleurs, enfin, j'ai du mal. Je sens rien. Mais j'arrive pas à définir cette odeur. Ça sent un peu l'agrume. Et alors, on peut l'utiliser justement en cuisine? On peut en faire non, quelque chose? Non, ou pas du tout? Non. Simplement, c'est une rutacée, comme les agrumes. Et comme ces agrumes, elle a ces petites boules dans ses feuilles qui contiennent des parfums et des huiles essentielles. Ah, bon, on peut en faire quelque chose, alors, des huiles essentielles? Probablement, mais nous, nous allons la planter. Parce que d'accord. Vois-tu, cette plante qui fleurit de décembre à mars, à l'intérieur d'un endroit comme celui-ci, elle est complètement merveilleuse. C'est vrai qu'elle est merveilleuse. Il n'y a pas d'autres fleurs à la saison, quasiment pas. Et voilà que tout d'un coup, on a une plante qui sent bon tout le temps et qui nous offre des fleurs à une période où il n'y en a quasiment pas. Et elles sont jolies, ces petites fleurs en plus, toutes discrètes. Le seul inconvénient, c'est que cette plante est résistante à moins 6 degrés, ce qui n'est pas beaucoup. Donc la plupart des gens dans ce pays vont devoir la planter dans un pot. Par contre, autour de la Méditerranée, là où il ne gèle pas ou presque peu, elle va justement pouvoir être installée en pleine terre. Comme sont installées les orangers. Et l'avantage de cette plante, c'est qu'elle supporte légèrement, voire passablement, la sécheresse. Donc nous, ici, c'est en pot. Voilà, c'est en pot, elle aime les sols. Alors, drainer. Eh ben ouais. Tiens. Ben ouais, puisqu'elle aime la sécheresse. Voilà. Logique, hein. Voilà, donc, voilà un pot. Là, on a fait nos trous tout à l'heure. Drainer. Drainer. Un mélange qui soit riche, léger, neutre, voire acide. Je dirais même acide, voire neutre. Et alors, comment tu le rends acide? Ah ben, je mets de la terre de bruyère. D'accord. En plus, c'est léger. Donc, c'est bien la terre de bruyère. Donc, il y a de la terre de bruyère, du terreau, du compost et un tout petit peu de fertilisant. C'était la demi-cuillère que j'ai mise tout à l'heure. Toc. Donc là, tu veux que je la dépote? S'il te plaît. Voilà. Ah ben, allez, t'es vas-y, prends des risques. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, hein? C'est pas mal du tout. Tu mets en place? Ok. Là, c'est bon, c'est la bonne hauteur? Bah, c'est pile poil. Moi, je suis assez content, là, pour le coup. Ouais, comme ça. Donc là, on la met à l'intérieur et on la ressort après les gelées. Surtout, il faut faire gaffe quand sont les gelées pour ne pas qu'elle... Oui, elle va prendre le soleil sur la terrasse pendant l'été, dans un endroit qui soit ensoleillé. Mm-hmm. Juste là, tu vas pouvoir mettre un peu de paillis à son pied. Ouais. Et un endroit ensoleillé, peut-être que dans le sud, on lui choisira un endroit avec une lumière plus tamisée. Elle n'aime pas les courants d'air. Donc l'idée, c'est de la protéger des endroits où les vents sont les plus froids, où les courants d'air sont les plus violents. Et puis, ma foi, je pense que d'ici quelques années, elle mesurera un mètre de hauteur.
Splendeur, une splendeur. Bon, ben je suppose qu'elle va côtoyer des animaux. Ben, j'espère, au moins des abeilles et des insectes qui vont venir butiner ces jolies fleurs. Eh bien, nous allons voir maintenant dans un reportage que tous ces animaux sont très utiles dans notre jardin. On va découvrir des animaux qui rampent, des animaux qui marchent, d'autres qui volent, et on va voir leur rôle. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir dans le bec du jeune un puceron. Alors, ils peuvent trouver aussi des chenilles, hein, comme beaucoup de mésanges. Et les mésanges sont quand même des oiseaux, on va dire, assez communs dans les jardins. Donc, si on peut les inciter à venir dans les jardins, pour le jardinier, ça va être une aide précieuse, puisque les proies, ils vont réguler tous les insectes qui peuvent avoir une prolifération importante. C'est le cas des pucerons, on vient de le voir sur l'image. Ça peut être le cas de certaines chenilles. Plein d'autres insectes du même genre, etc. Donc le but de créer un jardin comme ça, eh bien, c'est justement de créer un juste équilibre où il y aura l'harmonie entre l'être humain et la vie sauvage. Entre les mammifères, les reptiles, les insectes, il va également y avoir les oiseaux. C'est tout ça mis bout à bout font que le jardin est quelque part sous haute surveillance. Les tritons alpestres, quand ils deviennent adultes, et ils peuvent chasser notamment des larves de moustiques qui peuvent être très envahissants, hein, mais ça peut être aussi d'autres petits insectes. Donc ils vont avoir leur rôle aussi en tant que régulateurs et auxiliaires dans le jardin. Entre autres, la particularité donc, du triton alpestre, c'est ce ventre complètement orangé. Ce qui est magique dans une mare naturelle, c'est que tout vient tout seul. Ça va venir automatiquement. Ça peut être un ditique qui arrive en vol, ça peut être certaines libellules, et puis bien d'autres. Ça peut être le giris, qu'on appelle aussi le cheval d'eau. Et puis par la suite, au gré du temps et au gré des saisons, vont venir des animaux comme les tritons, les grenouilles, etc. Et petit à petit, le milieu va se coloniser. La terre, il ne faut pas trop la gratter, parce que ça va permettre à certains insectes aussi d'auxiliaires de ne pas avoir été brassés au moment de la plantation. Et ça, c'est important. Et contrairement à beaucoup de jardiniers, on a tendance à remuer énormément la terre, la retourner, etc. Alors qu'il faut mieux la gratter un petit peu au départ, et au moment de la plantation, juste la retourner simplement, en fait. Il peut y avoir plein de choses qui vont se promener ou qui vont se balader. Il y a des petits tas de branchages un petit peu partout qui vont permettre donc aux carabes de se mettre, certains lézards également, mais aussi les musaraignes. Donc elle va bien aimer notamment se faufiler le long des bordures, etc. Donc si on fait en plus un paillage, elle risque d'être là pour justement se nourrir de tous ces insectes plus ou moins indésirables. La musaraigne, il y a plusieurs espèces de musaraignes, mais elle est capable de se nourrir en une nuit l'équivalent de son poids. Donc c'est quand même intéressant à ce niveau-là. Alors, tout ce qui est utile, il peut y en avoir plein, du plus petit au plus gros, donc ça peut être qu'il soit à poil, à plume ou à piquant. Alors le hérisson, son intérêt, c'est que de toute façon, même s'il grappille un ou deux petits fruits ou des choses comme ça, c'est un utile qui va nettoyer en surface énormément de choses. Donc même s'il y a deux, trois petits larcins à côté, il y a tout le reste qui va avoir son importance, plus qu'une importance, je dirais, d'une utilité indispensable au jardin. Alors ça, c'est des fois, c'est des pièges. C'est une petite noctule, on dirait. Ça, c'est une chauve-souris. Donc un chiroptère, ce qu'on appelle un chiroptère. Et donc ces chauves-souris sont des auxiliaires précieux au jardin. Mais là, elle vient d'avoir un petit accident. Et depuis plusieurs semaines, j'ai constaté notamment que certaines chauves-souris, notamment des pipistrelles et des noctules, chassaient en plein jour. Donc elles vont chasser des noctuelles, des phalènes, donc des papillons un peu indésirables, etc., s'ils sont trop prolifiques. Donc c'est vraiment des auxiliaires précieux, mais ça fait partie des animaux qui ont fait peur, les mal-aimés, ce qu'on appelle les mal-aimés, alors qu'en fait, ils ont un rôle essentiel dans l'équilibre de la nature. Si j'étais pas intervenu, là, elle se noyait. Hein. Il faut varier les milieux. Donc il faut en fait jouer avec
du végétal. Donc le végétal, ça peut être des plantes, hein, mais ça peut être aussi des arbres ou des arbustes pour créer ce que moi j'appelle un fouillis végétal. Mais ce qui n'empêche pas, on peut jouer avec le côté sauvage et le côté cultivé, jouer là-dessus. Rajouter aussi des vieilles branches, des vieilles souches, et puis également des pierres, un petit muret de pierre, une bordure de mâle avec quelques souches, plus des abris qu'on rajoute, un nichoir, etc. Et on a le top, on va dire, pour attirer les stars du jardin qui vont être les auxiliaires. Tous ces milieux mis bout à bout et installés dans le jardin vont recréer un milieu propre comme dans la nature, en fait, et ça va permettre d'attirer cette faune du plus petit au plus gros. Et créer ce qu'on appelle les chaînes alimentaires dans la nature, où il va y avoir une relation entre les proies et les prédateurs. Et c'est cette relation-là qui va permettre un havre de nature pour les espèces sauvages et attirer la biodiversité. Tout à l'heure que les animaux étaient utiles pour le jardin, mais les arbres aussi sont utiles pour les animaux. Bah, les plantes sont utiles pour les animaux. Regarde les abeilles qui sont en train de se réveiller en ce moment. Mm-hmm. Eh bien, elles ont faim, il n'y a plus rien. Et qu'est-ce qu'elles vont trouver en sortant dès les premières chaleurs? Des plantes comme celle-ci, des plantes comme les forsythia et des plantes comme les cornus mâles. Bah oui, parce qu'on le remarque cet arbre, il est magnifique. Cornus mâles ou cornouiller mâle, de la famille des cornuacées. Mm-hmm. C'est une plante qui va fleurir très tôt comme ça en février, qui a des grandes qualités mellifères. Alors, qu'est-ce que des qualités mellifères? Mellifères, c'est le miel. Ah oui, d'où là, oui, d'accord. Voilà, et en plus d'offrir du pollen, il est d'excellente qualité et fait un très très bon miel. Après les fleurs arriveront des fruits, mais ça c'est en septembre, des fruits qui sont comme des cerises allongées. Un peu acide, très apprécié au Moyen-Orient, très apprécié en Arménie, très apprécié. Mais alors nous, on ne les trouve pas sur notre marché, par exemple. On peut éventuellement trouver des gros fruits comme celui d'à côté, parce d'accord. que celui-là, Kanzalak, il a des plus grands fruits. Et c'est des fruits qui sont très appréciés pour leur saveur et aussi parce qu'il y a plein d'antioxydants dedans. Ah, donc bon pour la peau. Voilà, donc pour la jeunesse. Ah. Moi, j'adore les squames, là, ça fait des couleurs comme ça sur son écorce. Ouais. C'est des plantes qui vont vivre jusqu'à l'âge de 100 ans. C'est un arbre qui va pouvoir mesurer jusque 12 mètres de haut. C'est une plante qui va supporter des sols calcaires, ce qui n'est pas si fréquent que ça, et frais. Voilà, Cornus mâles. Cornus mâles, qui pourrait être étudiée dans la célèbre école du Breuil, qui forme les paysagistes, les horticulteurs et les jardiniers. Elle est située au cœur du bois de Vincennes, elle a été créée en 1867, et elle propose un magnifique arboretum que je vous propose de découvrir maintenant. Située dans le bois de Vincennes, l'école du Breuil offre sur plus de 23 hectares la plus grande surface en Europe consacrée à l'enseignement paysager. Outre les différentes formations gratuites qu'elle dispense, c'est aussi un lieu ouvert depuis peu à la promenade. Donc nous sommes dans le bois de Vincennes, à l'école du Breuil. Quand cette école a-t-elle été fondée? Alors c'est une école qui a été créée en 1867 à l'initiative de Jean-Charles Alphand. Alors Alphand, c'est le premier ingénieur en chef des promenades de Paris et son idée qui était quand même assez novatrice à l'époque, c'était qu'en même temps qu'il a créé les promenades, il voulait former et qualifier des jardiniers pour les entretenir. Et donc il a eu l'idée de créer cette école du Breuil qui n'était pas à cet emplacement en 1867 mais qui s'est installée ici en 1936. On pense toujours que les vivaces ce sont des plantes qui sont intéressantes pour les couleurs des fleurs. Effectivement, les couleurs des fleurs sont intéressantes, mais si vous connaissez quelques couleurs de feuilles intéressantes, ça peut être beaucoup plus soit subtil, soit vous allez prolonger l'effet de la plante. Donc connaître plein de plantes, c'est bien, mais connaître plein de plantes qui sont intéressantes très très longtemps dans l'année, c'est mieux, quoi. Donc on va former des jardiniers, des paysagistes. Alors on forme à l'horticulture, au jardin, au paysage. On met l'accent dans notre enseignement sur la connaissance des végétaux. On met aussi l'accent sur la composition paysagère, sur le dessin, et puis un enseignement utile à tout métier comme l'informatique ou la communication. Parce qu'aujourd'hui, un jardinier, il a aussi besoin de communiquer sur son travail. Et c'est extrêmement important d'enseigner aussi des matières générales. Comme je disais, le plan, c'est un document contractuel. Ensuite, pour comprendre le plan, il y a la légende. Donc c'est la clé qui va vous permettre de transformer quelque chose de théorique en quelque chose de réel.
simple as two bags, pizza slices. I swear I'll tell you. C'est une école qui est sous tutelle de la ville de Paris. Donc aujourd'hui, l'école, c'est un centre d'enseignement, hein, mais c'est aussi le centre de formation continue de tous les agents de la direction des espaces verts et de l'environnement, et plus largement des cadres de la ville, parce que quand on est architecte, urbaniste, il y a plein de métiers à la ville de Paris qui nécessitent d'avoir une connaissance du végétal. Aujourd'hui, on parle de nouvelles formes de végétalisation et donc c'est important que nous, on forme nos professionnels. En même temps, dans un cadre absolument privilégié, avec tant d'espace. Exactement. Le jardin qui est classé jardin remarquable. Il n'y a que deux jardins dans Paris classés jardin remarquable et on en fait partie. Avec 3400 taxons, tous étiquetés. Donc c'est un formidable lieu d'apprentissage. Et puis aussi de pratique et d'expérimentation, puisque dans l'école, il y a des parcelles réservées aux élèves. Et puis la pratique, c'est aussi des chantiers école à l'extérieur. On a créé le potager de l'ambassade des États-Unis. Nos élèves l'ont créé en 2010. Et donc nos élèves sont très sollicités pour des chantiers école vraiment prestigieux comme l'ambassade. La connaissance de l'arbre, tenant une place majeure dans la formation des futurs jardiniers et paysagistes, l'école dispose aussi d'un arboretum remarquable. L'arboretum, ici, est un champ d'observation formidable pour les élèves. Oui, c'est ça, c'est un espace d'apprentissage. Ils viennent ici, alors qu'est-ce qu'on leur demande de faire ? Alors souvent, en fait, on leur demande de faire des herbiers. Moi, je leur demande de dessiner la feuille. Comme ça, ils sont obligés de l'observer, savoir si c'est lisse, s'il y a des petites dents. Donc, l'idée, c'est qu'ils passent du temps sur la plante pour pouvoir fixer une représentation mentale associée au nom de la plante. Parce qu'après, une fois qu'ils maîtrisent le nom, ils vont pouvoir aller chercher dans les livres. S'ils n'ont pas le nom, ils sont coincés parce qu'ils ne peuvent pas accéder à la connaissance. Et c'est intéressant d'avoir une telle diversité dans la mesure où demain, ils sont donneurs d'ordre, c'est eux qui vont décider ou proposer qu'on plante tel arbre ou tel arbre. Alors en fait, l'arboretum a été créé pour ça, c'est soit reconnaître les plantes qu'on utilisait, soit aussi proposer potentiellement des plantes qu'on pourrait utiliser. C'est-à-dire qu'en fait, on est au-delà des modes, c'est-à-dire qu'on a une force de proposition et on a des paysagistes qui régulièrement viennent dans l'arboretum pour essayer de voir si des plantes qu'on n'utilise pas actuellement ne serait pas utilisable. Voilà. Donc là, on est devant un beau sujet de Zelkova. C'est beau, hein ? Ah oui, c'est beau. Hein. C'est un espace qui maintenant est à maturité. Et donc, il a été intégré dans le jardin botanique de la ville de Paris. Alors, c'est vrai que c'est devenu un jardin public. C'est un jardin public un peu particulier parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de jeux pour enfants, des choses comme ça. Mais c'est vrai que ça continue à être un espace pédagogique. Et en fait, c'est un peu par dérive, avec cette idée de la collection, on voulait découvrir le monde, alors on plantait des arbres exotiques, et on finissait par ne plus penser que les Parisiens, en fait, ils n'étaient plus capables de reconnaître des arbres qui poussent dans les forêts qui sont autour de Paris. Alors que maintenant, l'idée, c'est de présenter au moins un sujet de chacun des arbres qui poussent dans la flore indigène d'Île-de-France. Sans exclure les plantes exotiques, évidemment. Et c'est aussi important que les élèves continuent d'avoir à l'esprit tous ces arbres-là avec lesquels ils travailleront et voilà, qu'ils proposeront exactement. À l'avenir. Exactement. Eux, potentiellement, ils peuvent travailler sur la planète entière. Et donc, ils doivent avoir une connaissance la plus large possible, en fait, de la flore, en fait. En formant des jardiniers et des paysagistes depuis la voie scolaire jusqu'aux formations pour adultes, l'école du Breuil, loin de réserver ses trésors botaniques à ses seuls élèves, les propose aujourd'hui au public. Ne nous privons pas d'en profiter. Le café arrive, on va être gâtés. En plus, c'est Stéphane qui le sert, alors. C'est lui qui l'a fait. Oui. Oh, merci pour moi. Stéphane. Donc le café à Turc, c'est avec les petits morceaux au fond. Ah, c'est chouette quand même, prendre un petit café comme ça en pleine nature. En pleine chaleur. Alors justement, Nicolas, puisque vous êtes avec nous, parlez-nous un peu de Coloco, votre agence. Ça regroupe quel type de métier déjà ? Alors Coloco, on est avant tout une agence de paysagistes, c'est un atelier de paysagistes. Mais volontairement, on a toujours recruté de façon très ouverte et en essayant de varier les compétences. Donc on a à la fois bien sûr des paysagistes, des architectes, des urbanistes, mais aussi des gens qui viennent plutôt de la socio, enfin qu'on aime bien les parcours un peu mixtes,
Mais le métier du paysagiste, tel qu'on l'entend, nous, rapidement, cette définition-là n'était pas suffisante pour nous. On appelle ça faire la maîtrise d'œuvre. On s'est dit, il faut être aller travailler en amont pour voir comment on peut réellement faire de l'urbanisme, mais en intégrant la nature à part entière et pas que les besoins de l'homme. Donc ça va avec, par exemple, le travail qu'on fait de désasphaltage du maximum d'espace en milieu urbain, la végétalisation maximum de toutes les surfaces possibles en ville. On a par exemple une étude à Courbevoie où on aide la ville, le service d'espace vert, à trouver tous les lieux de nature possibles dans cette ville qui finalement atteint une certaine finitude, une certaine incapacité de trouver ne serait-ce que des friches ou des terrains libres pour faire des jardins. Donc par exemple, on utilise toutes les dents creuses, ben, on voit si on y fait des jardins partagés, si on y fait des jardins d'autres modèles, les toitures, on va essayer d'y faire des fermes urbaines, des choses comme ça. Donc on leur montre tout ce qu'il faut faire, alors sur plusieurs niveaux. Et ça marche si on implique les gens, c'est une des bases de votre travail, de votre action. Quand on implique les gens, ça, on les implique dès le début. Quand on a une première commande, on descend tous les acteurs du territoire dans la rue. Ah ben, il fallait commencer par ça. Et on leur montre ce qu'il faut faire. Quand on descend, je veux dire, par exemple sur Courbevoie, on a commencé par travailler avec les élus qui nous avaient fait la commande. On a fait le tour de la ville et ensemble, on a réfléchi à ce qui était souhaitable pour leur ville. D'accord. Mais comme un grand brainstorming sur le terrain. Là, qu'est-ce qu'on pourrait faire là? Tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire là? Et se donner des idées. Là-dedans, on choisit les choses qui peuvent avoir le plus d'importance à activer rapidement. Et par exemple, là, une des premières actions qu'on a fait, c'est qu'on a pris une rue le jour de la journée sans voiture et de la fête des jardins, et on l'a transformé en jardin. Les habitants, plus les services techniques, plus les élus, un peu tous les élus d'ailleurs, pas que les élus espaces verts, plus Coloco, on a fait un grand chantier festif où un week-end on a transformé une rue, on a enlevé l'asphalte et on a fait une grande rue, une rue pour les enfants avec des graphistes dessinés, et qui est resté, qui va rester, et qui devient un petit peu un des modèles. On leur dit maintenant, bon, quels sont les autres rues qu'on fait sur ce modèle-là? Et on fait évoluer ce modèle-là. C'est-à-dire, on avait déjà fait des choses de cet ordre-là à Montpellier, par exemple. On regardait tous les délaissés de la ville, des friches, des choses comme ça, des parkings abandonnés. On leur avait dit, toutes ces choses-là, si on les met en réseau les uns par rapport aux autres, on a une espèce de grand parc qui peut servir d'ossature pour que la ville soit plus agréable à vivre. Montpellier, qui est une ville très peu verte. Voilà. Dans lequel il n'y a quasiment pas de parc. Et on montre finalement que jardiner, ou en tout cas que se promener et vivre la nature en ville est une fête, et qu'il faut aller plus loin et le faire de façon plus massive sur l'ensemble du territoire. Mais je crois qu'on a tous envie de verdure, surtout quand on est en ville, on a envie de ça, de respirer, d'avoir de la verdure, du bien-être. Et du vivre, et de faire. Et j'aime pas. Le vivre ensemble, c'est un mot un peu galvaudé maintenant, je trouve que c'est vrai, très politique. C'est pas mais français. C'est de faire les choses ensemble. C'est pas voilà. Français. De partager des envies, de partager des émotions. Et c'est ça qui est important. Justement, on va continuer à avoir le plaisir du jardin avec notre pas de panique. Ça vous plaît? Très bien. Ça, le pas de panique, ça plaît à tout le monde. Et justement... J'adore les pas de panique. Moi. J'adore quand tu jettes tous tes stylos comme ça, et qu'ils partent comme des mikados avec toutes les couleurs, je trouve ça super. Eh bien là, Stéphane est allé chez Isabelle, alors elle avait une cour très triste, et on va voir le résultat, parce qu'il a égayé cet espace, il a apporté beaucoup de verdure bien sûr, mais de couleurs, et le résultat est vraiment époustouflant. Avec entrain, Stéphane est arrivé chez Isabelle. L'arrière de sa maison donne sur une petite cour-jardin encaissée derrière de hauts murs. L'endroit est sombre, gris et triste, carcéral, dit-elle. Elle veut de la couleur, du vert, de la joie. Le dessin va dans son sens. Tiendra-t-il promesse? Bon, ben, je crois qu'on a fait le tour du propriétaire. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est sublime. Je voudrais le même à la maison. Bon, Isabelle, avant de supprimer certaines des branches, on va reprendre les coupes que tu as faites. Oui. Parce que... c'est pas bien de laisser des bouts qui dépassent comme ça, là. C'est des portes d'entrée pour les maladies, c'est pas d'accord. Terrible. Oui. En coupant à fleurs, tu permets à l'arbre de reconstruire une écorce sur la coupe. Voilà. Puis ensuite, ce qu'on va faire, c'est supprimer les branches qui viennent un peu trop vers l'intérieur du jardin et qui font de l'ombre. Très bien. Voilà. La difficulté consiste à supprimer des branches pour faire entrer la lumière, sans se priver de la présence végétale de ce feuillage. Éclaircir, voilà le mot. La perceuse s'attaque au mur du fond pour installer un réseau de câbles qui aidera les plantes volubiles à investir sa surface. À son pied, Isabelle creuse les premières fosses de plantation. Donc ici, on a trois grimpantes qui sont un peu serrées, je te l'accorde. Celui-là, il s'appelle Henri, c'est un chevrefeuille. Sa qualité, ce ne sont pas ses fleurs, qui sont toutes petites,
mais ce sont plutôt ces feuilles qui sont persistantes et assez belles en hiver parce qu'assez luisantes. Et puis des petites billes noires comme ça lorsqu'il fructifie. Donc lui, il va se servir de ce tuteur pour grimper comme ça là-haut. Et ce qui serait bien, c'est que tu le tailles de temps en temps. C'est-à-dire que tu vas laisser une branche, deux branches, trois branches principales se promener sur le câble. Mais ensuite, régulièrement, il est très poussant. Ah oui. Donc tu seras amené à le tailler, à le ramener le long du câble, oui. En laissant les branches principales, oui. De façon à ce qu'ensuite il puisse déborder, reprendre chaque année et faire du bois neuf. D'accord. Là, ici, on a deux hydrangeas. Alors, c'est complètement différent. On n'a pas besoin de support pour grimper au mur. Il faut les plaquer au mur comme ça, en inclinant la motte, de façon à ce que leurs petits crampons se prennent sur le mur. C'est-à-dire qu'ils vont se cramponner là, puis de temps en temps, il y a des branches qui partent comme ça. Oui. Bah, une fois tous les ans, tous les deux ans, tu prends, tu tailles. Oui. De manière à ce qu'ils ne viennent pas comme ça. Ça ne dépasse pas. Et qu'ils ne se décollent pas en plus. Oui. Donc qu'ils restent bien plaqués au mur. Lui, c'est Sémani, hydrangea Sémani, c'est pareil. Sémani a tout de même un feuillage persistant. Le kiwi est conduit sur un câble. Un Andina domestica, un Fazia pour ses allures tropicales, un Mahonia pour sa floraison d'hiver, rien que des plantes au feuillage exotique, complètement adaptées à l'ombre et au climat parisien. Passons aux teintes beige. Un deuxième Thieris rejoint le premier, accompagné d'un Pittosporum parfaitement dans le ton et un contrepoint pourpre plein de surprises. Donc lui, il va grandir aussi un petit peu. Non, pas tellement. Pas tant, mais il va se faire. Ça, c'est un Viburnum Nudum Pink Beauty. Ouf. Nudum, il est caduc. Pink Beauty, parce qu'il a des surprises à nous réserver en juin. Donc il a des panicules de fleurs crème, comme ça, qui sont très jolies. Et puis les fruits, comme ça, se développent sur les panicules. Une espèce de billes comme ça, qui avant de devenir noires comme ici, vont passer par des teintes crème, rose, bleu. Voilà, c'est toute une arc-en-ciel comme ça, en tout cas, maillot de teintes qui apparaissent sur les baies. Ces feuilles apparaissent rosées lorsqu'elles débourrent, et peu à peu, elles vont se teinter de pourpre jusqu'à devenir noires avant de tomber, parce qu'il est caduc, comme je l'ai dit, et elles tombent. Ce qui est bien chez le Viburnum, c'est qu'il n'est pas très délicat sur la qualité des sols, il supporte même les sols calcaires, ce qui est très bien. Je suis contente de te la présenter. La vieille caisse est percée, doublée d'un voile géotextile. Puis arrivent les billes d'argile, le terreau et deux Philostachys aurea, des bambous aux cannes blondes et feuillages clairs. Dans les pots trouvés dans la rue, drainage et terre de bruyère pour un érable du Japon et un pierris. Pour que l'eau puisse s'en échapper, les poteries sont installées sur un lit de billes. Plantées d'un hydrangea nain, d'une saxifrage d'automne sublime et d'un autre érable. Autour, les plantations se densifient. Le premier plant décline toute une diversité de fougères. Alors, toutes ces plantes qui sont ici, elles aiment l'ombre. Donc ça, c'est une bonne chose. Elles vont être servies. Mais elles aiment aussi la fraîcheur. Ouais. Plus ou moins. Tu vois, les érables, ils sont plantés dans des pots parce que justement, ils n'aiment pas forcément avoir les pieds dans l'eau. Ça leur provoque des champignons et ça les tue. Mais tout ça, ça aime bien avoir les pieds au frais, encore plus les fougères. Donc ça veut dire qu'il faudra tout de même surveiller les arrosages. Le pied des arbres, c'est sec, parce que l'arbre, lui, il boit tout. Le pied des murs, c'est sec, parce que les fondations, parce que tout ça, ça draine et ça fait clos, elle s'en va. Donc régulièrement, il va falloir que tu arroses, a priori, en été, deux fois par semaine, pas plus. Mais gentiment, hein, généreusement, pas plus, parce que tout de même, il n'y a pas de plein cagnard dans l'endroit. Et puis de août à novembre, une fois par semaine. Oui. Et puis pour en hiver, bon, bah, tu regardes s'il pleut ou pas, enfin ça doit aller, en hiver c'est pas la peine. D'accord. Voilà, et puis en mars, tu redémarres et tu accompagnes l'arrosage d'une fois par semaine jusqu'en juillet. Oui. Voilà. Encore quelques couvre-sols avant de fixer une longue canne de bambou sur l'un des câbles d'où descendront une série de fils de cuivre de longueur variable qui, comme des notes sur une partition, retiendront les petits seaux de tissu plantés de piments. Stéphane profite de l'absence d'Isabelle pour installer la touche finale. Des miroirs, une guirlande très jour de fête, des lanternes en métal oxydé et ménager une petite surprise. Isabelle ! Oui, j'arrive. Fini. Ah ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. Hallucinant. Et des petites choses en plus. J'ai un vrai jardin. Ouais. J'avais je sais pas quoi, une courette, et maintenant, c'est vraiment un cadeau, quoi. Et j'ai un jardin dans lequel je vais pouvoir me reposer. En plus, c'est joyeux alors qu'il fait gris, et on a l'impression d'être enfin au calme, quoi. Mm-hmm. C'est magnifique, c'est vraiment magnifique. J'ai plus l'impression de voir que mon mur, et il a disparu, quoi, voilà. Je l'ai oublié, j'avais l'impression d'être un peu en prison, je t'avais dit, hein, que c'était pas vraiment un jardin, que c'était une petite courette un petit peu carcérale, comme ça.
Et là, on ne voit plus lui, quoi. J'ai envie de regarder ailleurs. Là où il y a de la lumière, où il y a des couleurs, où c'est joyeux, où il y a des petits miroirs. Et en plus, depuis ma cuisine, je vais voir tous ces petits piments là, qui sont de toutes les couleurs. C'est vraiment merveilleux. J'aurais jamais pu imaginer que ça puisse être possible. Pour de vrai. Eh ben, c'est vrai. Ouais, exactement. Bon, là, c'est nul. On s'est bien amusé, hein. Ouais, j'ai adoré, moi. Merci beaucoup. Tout de même, si les hauts murs sont toujours là, l'ambiance a bien changé. En quelques heures, après un léger élagage, la lumière revenue a permis d'installer une multitude de plantes au feuillage aussi généreux que divers. Une sorte de forêt exotique complètement adaptée au manque de lumière de cette situation. Les objets récupérés ont pris place en toute simplicité. Enfin, quelques touches de couleur venues danser sur le mur en changent complètement la tonalité. À présent, c'est jour de fête chez Isabelle. C'est incroyable ce que tu as pu faire dans ce petit espace chez Isabelle. J'ai fait de mon mieux. Bah attends, c'est super. Et nous ne pouvions pas laisser Isabelle dans cet endroit si triste. Alors si vous aussi, vous voulez justement avoir des miracles dans votre jardin, pour notre pas de panique, s'inscrire... En pianotenfrance5.fr, rubrique silence, ça pousse. Et revoir l'émission et en apprendre un peu plus. Et que se passe-t-il en Charente-Maritime le 20 et 21 février? C'est à Saint-Trojan-les-Bains et c'est la fête du Mimosa sur l'île de Léron. Et dans l'Indre, le 28 février cette fois-ci? À Saint-Neuvy, en sépulcre, une fête aux végétaux champêtres, où seront distribués des greffons à qui on veut bien, où seront vendus des arbres fruitiers, des petits arbustes à fruits rouges probablement. Tout cela avec la participation de la société de pomologie du Berry. Aujourd'hui, nous vous présentons un livre très très beau d'un endroit que tu connais, que tu adores. C'est dans la Creuse. Ça s'appelle la Cédelle. C'est un magnifique arboretum. À l'intérieur de ce livre, on y découvre de merveilleuses images qui sont signées Yann Monel. C'est vraiment très joli. C'est agréable à feuilleter. Et alors, cerise sur le gâteau, c'est que la préface est signée Gilles Clément. Et on en a parlé de Gilles Clément. Édition Verlac. Édition Verlac, tu as raison. Eh bien justement, Gilles Clément signe aussi la préface de ce livre, « Coloco fertile mobile, cultiver ensemble l'espace public ». C'est aux éditions Tout Contre. Nicolas Bonenfant est venu tout à l'heure nous parler de la manière dont Coloco travaillait en amont avec nous, avec le public, les gens concernés par les projets qu'ils mettent en place. Ce livre est une manière de suivre la façon dont justement cette approche se déroule. C'est très vivant. C'est amusant, c'est bien. La semaine prochaine, nous découvrirons une nouvelle tendance qui nous vient des États-Unis et qui concerne les entreprises avec les potagers d'entreprise. Comment fédérer au sein de l'entreprise après le saut à l'élastique et je ne sais trop quelle aventure? Aujourd'hui, c'est du jardin dont il s'agit, jardiner ensemble pour être mieux ensemble dans l'entreprise, il fallait le dire. Et puis nous irons au paradis avec un parc extraordinaire. Fairy d'Aïsa est un endroit près de Mons, en Belgique, dans lequel tu peux faire le tour du monde, aller en Chine, aller en Indonésie, aller en Afrique, rencontrer là des animaux qui viennent de tous ces continents et bien entendu des plantes tout autour qui elles aussi ont l'air d'en venir. Et pour notre pas de panique, alors là tu es retournée chez Florence pour voir son potager 2 ans plus tard. Oui, parce que Florence voulait un petit endroit où ses filles pourraient goûter des fruits, des légumes, enfin profiter de ce que serait un jardin, un grand jardin, mais en petit. Comment 2 ans plus tard, les petites qui ont grandi justement, ont-elles vécu tout cela? Alors, à la semaine prochaine.